Good morning! Allez, Idan et Sustra aujourd'hui, les Lunishmat Avramon Nechai Ben Yitzhak Vefani, David Ben Fortuna Mazal Fritna, Vohabat Esther, ainsi que les Refouat Avraham Noach Ben Yehudit Betor Sh'ar Chol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masachet Ktuvot, Perek Vav, Mishnah Zain. Amashlish Ma'ot Levito, Vei Omeret Neeman, Neeman Baali Alay. Yase Ashalish Mashoushlash Beyado, Diri Rabbi Meir, Rabbi Yossi Omer, וכי אינה אלה שדה והיא רוצה למוכרה, הרי היא מכורה מעכשיו. במה דברים אמורים? בגדולה. אבל בקטנה? אין מעשה קטנה? כלום. המשליש מעות לביתו נמצא כפטלמון רפור אבקסקי, סכונו אבוקי פרסדמון, סיסנא לו סמפלו פייק, פרלי די ביין דו פר הפרטג'ה פור לפי, פור למריאז' ודונק דו קור נאין משתק אמברנד רפור אבק לרס. Qui nous dit qu'un mashlish ma'ot levito, celui qui donne un shalish à une tierce personne, a de l'argent pour sa fille, que, en fait, il manque un petit peu une transition, qu'il a donné l'argent à une tierce personne et qu'il lui a dit, quand ma fille elle grandit, avant son mariage, tu lui achètes un champ. Comme ça, elle a de quoi faire entrer une panaza. En dot, tu lui prévois, tu lui donnes, tu lui achèteras un champ. Et ce qui se passe, c'est que la fille elle grandit, elle a trouvé son petit ratan. Et elle demande maintenant, au lieu qu'on achète le champ, elle lui dit, donne l'argent. Et elle dit, moi je fais confiance à mon mari, donne-lui à mon fiancé, donne-lui directement, et comme ça il décidera qu'est-ce que lui, il décidera investir comme il veut, au lieu que toi tu t'achètes quelque chose qui ne va pas nous convenir, lui il va mieux réfléchir. Est-ce qu'il faut l'écouter ou bien non? D'abord, premièrement, il faut savoir que de manière générale, mitzvah lishmoa divrei amet. Lorsqu'on a quelqu'un qui a ordonné quelque chose avant de partir, et qu'après il a quitté ce monde, il faut accomplir son souhait, son vœu, son désir. D'accord? Mitzvah le kayem divrei amet, il faut prendre ce qu'il a dit, c'est comme une tzava'a. D'accord? Une tzava'a, je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est ce qu'on écrit pour quelqu'un qui prévoit qu'est-ce qui se passera après ses 120 ans. Et donc il faut accomplir ce qu'elle a dit, donc de ce fait, il y a assez achalish mashoushlash beyado. C'est pour ça que selon Rabbi Meir, dit Rabbi Meir, il faudra que la tierce personne fasse malgré tout ce pourquoi le père lui a donné cet argent dans la main. Le père, moi, il m'a dit à moi, tu achètes un champ, j'achète un champ, tu commences pas à me dire, tu veux à la place que je donne au mari. On m'a fixé une mission, je vais l'accomplir et c'est tout. Sur ça, Rabbi aussi discute, Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi prétend sur ça, que... Mais je ne comprends pas. Et de ce Véhi, je ne sais pas comment ça traduit le Véhi, c'est une phrase qui dit Véhi, mais dans ce cas-là, Ena et la Sade, même si elle va lui acheter le champ comme prévu, Véhi Rotsa le Mocha, il va lui acheter, il va lui donner, et après elle va vouloir le vendre tout de suite. Arei Mechoura Meharchav, Vadaï qu'elle va pouvoir le vendre tout de suite après. À quoi ça sert de perdre de l'argent? Pour les avocats et les intermédiaires et tout. Pourquoi? Tu vas prendre la tête à partir acheter un champ pour après lui donner. Et elle, rien que tu tournes le dos, elle va le revendre à moins cher. Et il va y avoir plein d'argent qui va partir. À quoi ça sert? C'est vrai qu'en théorie, il faut accomplir la volonté du défunt. Mais en l'occurrence, lorsque ça servira à rien de l'accomplir, parce que si elle veut autre chose, alors elle fera autre chose et qu'on aurait plein de pertes en route. Pourquoi faire tout ce tracas? D'accord? Donc donne-lui directement l'argent, en l'occurrence, elle aura gagné. Ça, c'est de manière générale la discussion qui est entre eux. Mais si vous faites attention, en fait, on découvre qu'en fait, Rabbi Yossi ne discute pas frontalement contre Rabbi Meir. Il reconnaît qu'en théorie, il faut accomplir ce que le père il a dit. Seulement, il te dit, malgré tout, accomplir ce que le père il a dit pour que 3 minutes après, on va de toute façon tout annuler, alors à quoi ça sert de faire tout ce tracas? Maintenant, ça signifie que si toutefois la fille elle n'a pas la possibilité, après coup, de contourner l'ordre du père, alors là, c'est sûr qu'on accomplira la volonté du Père. En l'occurrence, dans quel cas ça se présente, la Medvarim Amourim Begdola, tout ce qu'on a expliqué là, c'est dans une grande fille. Par contre, avec le Biktana, mais s'il s'agit d'une petite fille qui n'a pas encore passé sa majorité, on va expliquer un peu mieux, mais pour le moment, on traduit. Elle m'a sectana clom, il n'y aura rien dans les actes de la petite, ça ne fonctionne pas. Soit, en fait, en deux mots. Selon Ami aussi, la femme peut dire donne-moi finalement donne l'argent finalement à mon fiancé parce que au bout du compte tu vas me donner un champ, je vais le revendre, de toute façon on va te contourner,
Donc on ne va pas conclure. Donc si déjà, viens, donne-moi directement de l'argent. De ce fait, si la fille, elle n'a pas encore dans sa maturité, qu'elle n'est pas capable, elle n'a pas le droit de vendre un champ. Vous savez qu'un enfant, il ne peut pas vendre quelque chose, surtout pour les biens immobiliers, il n'y a même pas de canadien famille. Vous imaginez un enfant qui va recevoir des millions parce qu'il est. Parce que le pauvre, il a perdu ses deux parents, il va hériter de biens immobiliers, il va se mettre à tout les dilapider pour acheter des billes. Donc les familles ont instauré qu'un enfant, il ne peut pas vendre, en tout cas, au moins pour les biens immobiliers, jusqu'à qu'il atteint même plus que la majorité. D'accord? Il y a toutes sortes de chiffres qui ont été dit. À partir de quand il peut commencer à vendre les biens mobiliers, les biens immobiliers, il y a des règles, mais en tout cas, on laisse pas un enfant vendre. De ce fait, il y a maintenant, la Michal m'en dit, elle me dit, écoute, ce que Rabbi Yossi va permettre à la fille, qu'on lui donne l'argent, parce qu'en fait, elle peut décider de revendre. C'est à condition que la fille elle soit grande. Si elle est petite, elle ne pourra pas revendre, donc il faudra accomplir la mise du défunt. En réalité, la marloquette, elle n'est pas si frontale. Parce que tout le monde, comme ça le Bartanura, il nous le dit, dans le Dibor Matril, Ena Vechi Ena La Sadeh, il nous explique. En fait, en réalité, si la fille elle est déjà grande, elle est bougerette, vous savez que dans la fille, il y a trois étapes. Petite, adolescente, c'est genre 6 mois, jeune fille, quoi. Et puis après, il y a adulte, 2 ans et demi. Alors, tout le monde est d'accord que pour une petite fille d'avoir moins de 12 ans, il n'y a pas question de la laisser, de l'écouter. On va acheter le champ comme prévu et on lui donne et c'est tout. Elle ne pourra pas le rendre de toute façon après. Si elle a fait les bougerettes, elle a atteint maintenant sa maturité, qu'elle est devenue complètement adulte, plus que 2 ans et demi, alors dans ce cas-là, on lui donnera l'argent, à son mari, selon tous les avis. Toute la discussion, elle est uniquement pour une fille qui est Nahara. Depuis le moment où elle est plus petite, elle n'est pas encore devenue adulte, elle a les 6 mois depuis que son corps commence à se développer, elle commence à développer les 6 mois d'année à route, et dans ce cas-là, c'est sur ça qu'il y a la marque entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, elle n'a toujours pas la capacité de vendre. De ce fait, on va accomplir la volonté du défunt et on va acheter le champ comme prévu sans donner l'argent au mari. Selon Rabbi Yossi, elle a déjà la capacité de vendre. Et si elle a la capacité de vendre, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de lui acheter pour lui donner pour qu'après elle va le revendre et qu'elle n'a pas de l'argent en plus. Donne-lui directement l'argent à son mari comme ce qu'elle désire. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.